hein, il n'y a pas de casse. On a tellement travaillé dans les temps, c'est bien, c'est ça. Oui, c'est dommage, je ne sais pas. Et qu'on n'a pas tous le même tour de tête. Voilà, donc c'est ce que je dis, vous regrettez d'avoir pas conservé le temps de votre maman. Mais c'est très beau. Donc le chapeau, c'est le haut et le bas, donc on dit calotte et bord. Donc on récupère la cloche. Alors eux aussi, hein, ici, les ouvriers avaient des mains brûlées. Hein. Vous avez vu sur les photos, ce ne sont que des hommes, parce que c'est très physique, et on va leur rendre hommage, évidemment, nous on y arrive, parce qu'on en fait 4 dans l'après-midi, mais eux c'est des dizaines et des dizaines. Donc on a beaucoup de mal, même, enfin, c'est étonnant, quand même. Vraiment c'était un boulot très 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 dur. Dont ils étaient très fiers à juste titre, hein, évidemment. Il y avait 6 mois d'apprentissage, hein. Un an d'apprentissage. Alors, je mets une première ficelle que je vais descendre avec cet outil qu'on appelle avaloir. Et vous voyez pourquoi, en fait, la ficelle va être guidée dans cette petite, dans ce petit creux là. Un peu comme sur une poulie, hein, voilà. Et ça va beaucoup plus vite que si on descend avec son ongle. Donc, on descend rapidement. On va resserrer la ficelle. Et on s'aperçoit que le feutre a déjà refroidi. Donc pour la deuxième partie, on va remettre dans la vapeur pour assouplir à nouveau le feutre. Et donc le bois qui est utilisé est un bois que vous connaissez. C'est le truc dur. Non, trop dur le buis. Il faut un bois qui soit facile à travailler justement parce qu'on fait des produits à l'heure. Vous le connaissez tous, le chêne est trop tannique justement. C'est du tilleul. Voilà, c'est du tilleul. Donc à Chazelles, il y avait un formier qui n'était pas dans l'usine. Il avait son atelier en ville, entre guillemets, et il fournissait toutes les usines de Chazelles. Il avait 4 ou 5 ouvriers selon les années. Mais on dit donc formier. Et il utilise, bien sûr, il utilisait du bois de tilleul. Alors, on va réunir les deux parties, pouvoir tirer sur les bords de la cloche qui deviennent les bords du chapeau. Ça devient un joli chapeau. Et voilà, un peu chiné celui-là. On met une deuxième ficelle qui marque la fin du chapeau. La première ficelle a forcément bougé, donc je vais la redescendre pour qu'elle soit bien au bon endroit. C'est très important parce que la ficelle, oui, et la ficelle laisse une marque qui servira de repère pour poser le ruban. Donc il faut que ça soit bien au bon endroit. Et ensuite, donc, on laisse sécher. Et alors, les usines ont des fours, hein, c'est une demi-heure. Si on est modiste, c'est 24 heures dans l'atelier. Une fois que c'est sec, évidemment, on retire les ficelles, on démoule le chapeau et on va couper. Vous coupez le tour. Voilà, on va couper le surplus qu'on garde, attention, hein, très précieusement. C'est réutilisé. De quelle manière? Il n'y a pas de perte. Alors, je vais vous le dire. Alors, c'est coupé soit à cet endroit, on appelle ça couper ficelle. Il y a un petit surplus dont on fera une couture comme sur le mien. Alors là, la couture est dessous, mais elle pourrait aussi bien être dessus. Ou alors, on appelle ça couper franc. On coupe sur l'arête et on laisse tel quel, parce que le feutre ne s'effiloche pas. Ça ne peut pas se défaire. C'est génial. Et donc, la chute, on va la garder pour faire la décoration éventuellement, pour la réutiliser en décoration. Ah, oui. Et ici, en usine, on est apprenti au départ, je l'ai dit, un an d'apprentissage. Donc, on recommence pour s'améliorer. Et on réutilise la même cloche parce que ça, c'est cher. On va réutiliser de forme. Et d'ailleurs, on a le chapeau de Mitterrand, hein, vous le verrez si vous avez le temps, parce que là, je ne sais pas à quelle heure vous allez en rendez-vous au restaurant. Oui, mais enfin, ils ne seront pas contents. Ça redevient une cloche, donc nous, on va l'utiliser pour les visites de cet après-midi.
Le feutre, mais là, voilà, les enfants, le métier qu'il y a autour des deux. Donc voilà, l'atelier du fameux formier. On voit le bloc qui est tout au bout à gauche et la forme à droite. Il faut pas avoir un petit poids, 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 un petit